Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo, ma future config, vous en avez l'habitude pour vous, mes fidèles de la chaîne ou sinon pour les petits nouveaux, bah je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. En gros, depuis le début d'année là, 2024, chaque semaine ou chaque 15 jours, je sortais une nouvelle vidéo en l'appelant tout simplement ma future config parce que j'ai pour projet, pendant ce Black Friday là qui arrive, du coup fin novembre 2024, de m'acheter une nouvelle configuration. J'ai ma petite config qui est là depuis 7 ans, je crois, depuis 2018. Bref, je l'ai depuis 2018, ma configuration. Et voilà, bon, j'ai envie de changer tout simplement, même si en vrai de vrai, elle reste d'actualité. Tu te poses la question avant que la vidéo commence, quel type de joueur je suis. Je suis tout simplement un joueur en 1440p, 60 fps dans les jeux solo narratifs, plus de 140, on va dire 165 FPS dans les jeux multijoueurs compétitifs, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, faire un peu de montage vidéo sur YouTube et tout et tout. Donc voilà un petit peu mon profil de joueur. Voilà, comme ça, t'es au courant. On va se mater aussi vite fait, vous allez voir ça. Bah bref, je vous dis pas, mais vous allez voir, il y aura une petite surprise dès le début de la vidéo, vous allez voir ça. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. C'est le soutien, toi-même, tu sais, pareil pour le petit pouce bleu, voilà, on n'y pense jamais à ce petit pouce bleu. Ça coûte rien, tu appuies, ça fait plaisir. Le commentaire, la cloche des notifications, comme d'habitude, tous les liens, bien évidemment, en description. Bouge pas, on se retrouve tout de suite directement sur YouTube, tu vas vite comprendre pourquoi. Let's go! Et re les petits potes, on se retrouve directement sur ma vidéo, l'épisode numéro 1 de ma future config. Du coup, qu'est-ce que j'avais mis pour ce premier épisode, pour ces 1 500 € de budget? Je vous rappelle, 1 500 € de budget à cette époque-là. Donc, c'était, je crois, le 13 février, un truc comme ça. Ouais, le 13 février, voilà. C'était le 13 février pour 1 500 €. Qu'est-ce que j'avais à cette époque-là? Alors bon, là, on était parti sur memory PC. Bon, comme tu peux le voir, le processeur, c'était un 7600X. C'est à peu près ce que je veux, honnêtement. Là, actuellement, je suis plus parti. Bon, je te dis pas, mais bref, c'est à peu près la même chose que ce que je veux actuellement, ok. Bon, on avait choisi un petit water cooling cooler master. Très bien, très bon choix. Je valide, Mirac, je valide. Au niveau de la carte mère, la petite MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. C'est vrai qu'à cette époque-là, bon, c'était pas si loin que ça, mais je veux dire, à cette époque-là, c'était focus MSI, MSI, 100% MSI, et rien qu'MSI, alors que il y avait toujours chez Memory PC cette petite B650 Eagle, qui est vraiment bonne, qui est moins chère que la Gaming Plus de chez Gigabyte, et qui est vraiment bonne, et donc aujourd'hui, si je devais choisir, je prendrais plutôt la Eagle, qui coûte vraiment moins cher et qui est tout aussi bonne. Pareil, là, les barrettes de RAM, comme tu peux le voir, Corsair Vengeance RGB, ah oui, à l'époque, je ne voulais que du RGB, mais vraiment que du RGB, que du RGB. Donc voilà pourquoi j'avais pris du, en plus des Corsair Vengeance. Non mais vraiment, non mais vraiment. Bref, bon, ça a changé, tu verras que ça a changé. La carte graphique, bon, une RX 7800 XT. J'ai l'impression que ouais, de nos jours maintenant, ok, pour le même budget, on a mieux. On a vraiment, même chez Memory PC, pardon, on a vraiment beaucoup, 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 beaucoup mieux. Donc, je pense que honnêtement, bon, le SSD, bon, il est ce qu'il est. Mais je pense qu'honnêtement, si on peut regarder un petit peu la configuration à cette époque-là, lors du premier épisode, on peut se dire que, ouais, quand même, notre budget a plutôt, on a beaucoup, 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 beaucoup mieux pour la même chose en termes d'oseille sortie. Donc, c'est très, très, très intéressant. Honnêtement, de nos jours, aujourd'hui, proche des 1 500 € à 1 550 €, et encore même 1 500 € en vrai, si tu grattes un peu partout dans tous les composants, tu peux te choper une config avec un Ryzen 5 7600, par exemple, ou 7500F, si tu veux encore plus gratter, et une 7900 XT en termes de carte graphique. Donc oui, les prix, pour moi, ont baissé, pas sur tous les composants. Pas sur tous les composants, si tu regardes bien et tout, pas sur tous les composants, mais sur les principaux, on va dire surtout la carte graphique. Ça, les cartes graphiques, faut être honnête, ça a baissé. Parce que à cette époque-là, là, au mois de février, une RX 7800 XT, c'était minimum 580 à 600 €. Même plutôt proche des 600 € même. Donc oui, les prix ont baissé par rapport à avant. À toi de me dire dans les commentaires, quand je vais te montrer la future config là qu'on va faire ensemble là maintenant tout de suite, à toi de me dire si elle a évolué ou pas, ou si elle est mieux ou pas. Ou peut-être celle-là pour toi, celle de Memory PC que j'avais fait le 13 février, elle est peut-être mieux, je ne sais pas. À toi de me dire encore une fois dans les commentaires. Juste avant du coup les gars, je vous montre
les choix que j'ai fait aujourd'hui. Alors certes, c'est pas sur Memory PC, j'avoue, c'est un petit peu partout, avec les prix de un petit peu partout, j'essaie de gratter au moins cher possible. Donc là, on est sur gros build par exemple, MSI Mac Pano M100R, pardon, PZ White. Vous le savez très bien, c'est l'un de mes préférés, en micro ATX, mais moi ça me va parfaitement, il n'y a aucun souci là-dessus. Surtout que ma carte mère est une micro ATX, donc ça ira nickel. Je voulais en blanc parce que je trouve que ce boîtier-là, en noir, je sais pas, je trouve meilleur en blanc, on voit mieux le petit dragon que tu vois là juste en bas. Bref, je le trouve meilleur, le RGB je pense qu'il va mieux sortir. Tout simplement, voilà, après c'est les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, 94,99€, c'est là-bas où je l'ai trouvé le moins cher actuellement sur Amazon. On est plus proche des 100€, donc voilà, j'essaie vraiment de gratter au maximum. Surtout que le watercooling, je voulais aussi celui-là, voilà, c'est l'un de mes préférés. Ah, c'est pas le meilleur, attention, c'est pas le meilleur. C'est juste, c'est l'un de mes préférés. J'adore cette petite pompe un peu. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, on va dire ça comme ça fait un peu futuriste, tu vois, futuriste, mais à l'ancienne. Tu vois, le futur du rétro, tu vois. Bref, le futur du passé, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, ça fait un peu, voilà, retour vers le futur, K2000, tout ça, tu vois. Terminator, tu vois, Robocop, ça fait un peu tous ces films-là, ces séries-là, à l'ancienne, qui nous montraient le futur. Bah, ça fait un peu ça, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce style-là. Donc, 69,90€, en plus, sur Amazon, c'est, je crois, 84€. Donc, c'est pour ça que, bon, j'avoue, avec vous, je suis honnête avec vous, j'aurais pu prendre ce boîtier-là directement sur Amazon, ok? Et prendre du coup le watercooling ici, parce que sur Amazon, il coûte vraiment beaucoup plus cher celui-là. Mais je me suis dit, allez, il y a des petits frais de livraison, autant mettre les deux produits en même temps directement sur Grobil, histoire de faire réduire un petit peu les frais de livraison, ok? Tout simplement. Au niveau du CPU, du coup, je suis parti chez Reichelt avec ce petit 7700. Alors voilà, bon, j'hésite toujours, 7500F, 7700. Actuellement, les 7600 et les 7600X. Bon, le 7600X à la base ne m'intéressait pas, mais le 7600 coûte actuellement beaucoup, 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 beaucoup trop cher, je trouve personnellement. Du coup, voilà pourquoi je suis parti sur celui-là. N'hésitez pas, vous, à me dire si c'est plutôt un bon choix ou pas, le 7700, plutôt que le 7500F. Je rappelle, je fais un petit peu de montage, voilà, des vidéos, tout ça, donc pour tout ce qui est un petit peu travail. Alors, je suis pas un expert du montage, tu le vois bien, hein, c'est 2-3 bricoles. En vrai de vrai, mon 8700K que j'ai actuellement dans mon boîtier, il fait largement le taf, il fait vraiment largement le taf. Donc bref, tout ça pour te dire, est-ce que oui ou non, on va dire allez, 50, 60€ de diff de prix, ok, entre le 7500F, je te rappelle, et le 7700, est-ce que oui ou non, ça vaut le coup ou pas? À toi de me dire, il a plus de cœur, c'est pour ça surtout que je le veux celui-là, parce qu'il a plus de cœur, je me dis, bon, pour le montage vidéo, même pour la durée, dans le temps et tout, je me dis, est-ce que c'est peut-être plus intéressant, je ne sais pas. À toi de me dire, encore une fois, je compte sur toi, pour me dire, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ces 60€, ces 50€ de plus pour avoir un peu plus de cœur avec ce 7700. Au niveau de la carte mère, bah toi-même tu sais, ma préférée des cartes mères actuellement. Alors j'aime beaucoup aussi la X670E, mais c'est la même, sauf en ATX, mais en X670, tu l'auras bien compris. Mais bon, c'est la même, enfin je veux dire, les mêmes couleurs et tout, tu vois. Mais bon, en ATX. Là c'est en micro ATX, donc B650M Gaming Plus Wi-Fi, au moins cher. C'est sur Amazon.de comme d'habitude. 148,96€, excellente. Wi-Fi 6E, c'est ce que je voulais. Dommage, il n'y a pas le Wi-Fi 7, mais bon, Wi-Fi 6E, ça ira très, 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 très bien. Ok, elle a tout ce qu'il faut où il faut. Mon 7700 ou même mon 7500F iront parfaitement sur ça. Donc, au niveau du boîtier, ça sera franchement magnifique. Limite, ça sera limite un foulé Messi entre le watercooling, entre la carte mère, entre le boîtier. Donc, voilà. Bon, mon objectif, c'était pas d'aller sur une foulée Messi, mais bon, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, Karim, fais-toi plaisir. Certes. Bon, tu veux pas dépasser les 1500€, mais fais-toi plaisir pour 1500€. Alors, peut-être pas trop, 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 trop dans la puissance, parce que honnêtement, encore une fois, mon profil de joueur, comme je vous dis souvent, c'est 60 FPS dans les jeux solo. Donc, honnêtement, même dans 5 ans, je dis pas la carte. Ah, je vous spoil la carte graphique, vous voyez? J'allais vous spoil la carte graphique, mais bref, en gros, la config ira parfaitement, je pense, honnêtement. Moi, je suis un joueur 60 FPS dans les jeux solo. Je vous le dis tout le temps, 60 FPS, ça me suffit largement. Il n'y a que sur, allez, Warzone, Overwatch, voilà, des jeux comme ça auxquels je joue multijoueur, que j'aime bien aller plus loin, mais même Monster Hunter, en vrai, je le bloque à 90 FPS. Donc,
Moi, je suis plus ce type de joueur-là à bloquer et pas à aller chercher, tu vois, à faire chauffer la CG ou le processeur ou quoi. Non, j'aime pas trop ça. Je préfère bloquer et jouer dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Donc voilà, 148,96€ MSI B650M. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve très, 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 très belle. Au niveau des barrettes de RAM, bah, comme d'habitude, j'essaye de trouver les promotions du moment, ok. En évitant Corsair, comme vous me le dites. Comme quoi que je vous écoute vraiment. Je vais esquiver Corsair Vengeance, ok. Donc, Patriot Memory Viper Venom, comme d'habitude, les barrettes de RAM de Randy Orton. Donc, très, très bonnes barrettes de RAM. Très, très belles. Je pense qu'elles iront parfaitement dans ma config. Pourquoi? Bah, tout simplement, regardez cette couleur un peu gris, rouge, noir, noir brossé, un peu aluminium et tout, tu vois. Ce que je veux dire, ça ira parfaitement ici, on est bien d'accord, franchement ça ira nickel, et même dans le boîtier en vrai ça passera super bien. Donc non, franchement c'est un bon choix, c'est des bonnes barrettes de RAM, bonne qualité. Bon, CL36, moi ça me va parfaitement en vrai, 6000 MHz, c'était surtout ça le plus important. CL36, bon, pas au-dessus bien évidemment, le mieux ça serait CL30 quand même. Bon, CL36, je vais pas chipoter, je vais vraiment pas chipoter. Western Digital Black SN 770, alors là par contre obligé 2 Tera maintenant, obligé parce que je galère, franchement je galère avec mon PC actuellement. À chaque fois je suis obligé de supprimer des trucs et tout, tu vois, surtout quand tu fais des vidéos, les vidéos, faut pas croire, mais faut pas trop les stocker. T'as envie de les stocker aussi, tu vois ce que je veux dire, mais faut pas trop les stocker non plus, ça prend trop de place. Donc 2 Tera, ça me semble voilà un bon compromis entre les 4 Tera qui sont vraiment beaucoup beaucoup trop chers pour moi pour l'instant, et le 1 Tera que je trouve malheureusement trop faible, c'est pas assez. Donc 2 Tera c'est bien, c'est pas cher, ça va, 107,90€, surtout que c'est un très bon SSD encore une fois. En écriture on est à 4800 et en lecture à 5150 Mbps, donc c'est très bon, c'est un très bon SSD, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est surtout vraiment pas cher actuellement, ça fait plaisir. Bon, voilà, l'alimentation comme d'habitude, NZXT c'est 750W, 80+, Gold garantie 10 ans. Très très bonne. Honnêtement, je suis honnête avec vous, si pour le même prix, j'ai la MSI 750 GF, bien la GF et pas la GL, la GF qui est elle aussi garantie 10 ans, je prendrais la MSI bien évidemment si c'est le même prix. Voilà, mais bon, là actuellement, c'est pas le même prix, donc voilà pourquoi je suis parti sur cette petite NZXT C750. Et au niveau de la carte graphique du coup, voilà, je suis parti sur celle-là. Alors je me suis fait plaisir, je me suis dit, allez, bon Karim, inutile d'aller chercher la 4070 Ti Super, parce que je suis honnête avec vous, en ce moment dans ma tête c'est ça. Soit je mets 200 balles de plus pour une Ti Super, pourquoi? Parce qu'elle a 16 Go de VRAM, surtout parce qu'en termes de perf dans les jeux, honnêtement la 70 Super me suffit mais amplement. Mais amplement, mais vraiment amplement. Mais la Ti Super, c'est vrai qu'elle a 16 Go de VRAM. Et je me dis pour le futur, parce que moi je suis pas le genre de personne à acheter des PC ou même à mettre une mise à jour dans ton PC, c'est-à-dire à acheter des nouveaux composants tous les 4 matins. Non, 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 non. Moi j'aime bien rentabiliser. Je suis capable d'acheter un gros truc d'un coup. Tu vois, genre investir sur une grosse somme, sur un gros PC, j'en suis capable. Ça passe bien dans ma tête. Mais d'investir, puis de encore continuer à acheter des trucs dans ton PC et tout, moi, je suis pas ce style-là. Je comprends ceux qui le font et c'est génial. Il y a un petit côté aussi ludique, j'avoue, c'est très très bien. Mais moi, c'est vrai que bon, j'aime pas trop ça. Donc, c'est pour ça que des fois, je me dis peut-être que la Ti Super, c'est un meilleur investissement pour le futur que la 70 Super. Mais pourquoi? Parce qu'elle a 16 Go de VRAM. Et est-ce que réellement, est-ce qu'on en est sûr de ça à 100%, vu mon profil de joueur encore une fois, est-ce qu'on est sûr de ça que je serai bridé par rapport à la VRAM dans 5 ans si je joue à 60 FPS en qualité, même pas ultra, moi je joue en élevé, d'accord, et je baisse les ombres, honnêtement, et en plus on a le DLSS et tout. Je me dis que non, je pense pas, actuellement je pense pas, j'ai changé d'avis, je pense que la 70 Super m'ira parfaitement. Pas la peine d'aller chercher plus loin, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je me suis dit, autant investir sur un meilleur processeur, voilà pourquoi au lieu du 7500F, voilà pourquoi j'ai pris le 7700, du coup. À cause de ça, à cause de ça. Donc, la 4070 Super, n'hésitez pas vous à me dire, voilà, non Karim, t'as tort, tu devrais prendre la Ti Super, ou non, tu as tout à fait raison, vu ton profil de joueur, parce que toi tu aimerais, hein, attention, parce que toi tu aimerais, mon gars. Ce qu'il me faut pour moi, ok?
Peut-être que tu vas me dire, oui, la 70 Super, ça t'ira parfaitement. Donc je me suis dit ça, hein, bon, ça m'ira parfaitement. De toute façon, on ira voir une petite vidéo juste avant, juste à la fin de la vidéo. On ira voir une petite vidéo bench avec le 7700 et la 70 Super. Bref, tout ça pour vous dire que, à la base, j'étais parti sur la moins chère des 70 Super, ok? Donc c'était la Verto, voilà, tout simplement, à 588 euros. Voilà, c'est celle-là. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, un petit peu plus haut en fréquence, ok? 3 ventilateurs, du RGB, pour combien? Allez, 20 balles de plus, on a celle-là. Voilà. Donc c'est. Ah bah elle est plus disponible. Elle était disponible juste avant, bordel. Non, elle était. Vous inquiétez pas, elle sera toujours disponible. Bref, de toute façon, dans le lien, dans la description, t'inquiète pas, elle y sera. Donc voilà, bon, moi je suis parti sur ce modèle-là. Encore une fois, j'ai pas envie de trop gratter non plus. Prendre la moins chère, non. J'aime bien avoir une carte graphique quand même un petit peu haussée d'usine. C'est pas mon style d'oser, de hausser, pardon, de base, donc bon. Tu vois ce que je veux dire? Autant la prendre aussi directement. Et comme ça, je suis tranquille. Ça change rien en termes de perf, je suis honnête avec vous. Ça va changer quoi? De 1 ou 2 FPS, pas plus. Mais bon, elle est belle. Honnêtement, moi, je la trouve très belle. Personnellement, je la trouve très, 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 très belle. Bon, à la base, je suis honnête avec vous. Je cherchais la MSI Ventus en white. Ok? Je l'adore, cette petite MSI en white. Mais malheureusement, elle n'est pas disponible au prix que moi je souhaite. Là, actuellement sur Amazon, c'est même pas Amazon qui la vend, c'est que des revendeurs et elle coûte presque 700 balles. Non, non, je suis désolé, 695 euros. Non, merci. Pour une 70 super, non, merci. Donc voilà pourquoi je suis parti sur ce modèle-là. Donc on verra bien, de toute façon, on a le temps. Le Black Friday, c'est pas demain encore. Mais bon, voilà. Voilà en gros la config que j'ai choisie pour l'instant pour cet épisode numéro 21. Encore une fois, à vous de me dire si surtout, ouais, en vrai, ce que je recherche, moi, c'est surtout un certain équilibre, une certaine harmonie, un certain, comment dirais-je, un certain bon sens, tout simplement, dans le choix de mes composants. Est-ce que oui ou non, ça va bien ensemble? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Une certaine harmonie dans ma configuration. Donc n'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ce que toi tu en penses. Je vous ai trouvé une petite vidéo. Bon, hey, ça vaut ce que ça vaut encore une fois. On est en 1440p en ultra, ok? Moi je joue en 1440p mais je joue pas en ultra, moi je joue tout le temps en élevé. Je vois pas trop l'intérêt de jouer en ultra, ok? Donc c'est ma configuration à moi, donc avec un petit Ryzen 7 7700 et une RTX 4070 Super. Donc c'est exactement la même chose que je nous ai fait juste avant. Donc là tu peux voir que sur Cyberpunk par exemple, j'appuie sur pause, on est à 80 FPS de moyenne, donc c'est exceptionnel, et en plus on est en ultra, donc si tu fais un petit peu comme moi je pense faire dans ce jeu-là par exemple, c'est à mettre en élevé, à baisser les ombres au minimum, et je pense honnêtement être au moins à 95 FPS de moyenne, je pense, ou allez, au moins 90, allez, on va pas chipoter, au moins 90 FPS de moyenne largement sur Cyberpunk, et franchement, franchement, c'est un énorme jeu, Cyberpunk. C'est vraiment un énorme jeu. Là, on est sur Forza Horizon 5, 111 FPS de moyenne. Pareil, il a mis le ray tracing en extrême. Non, mais t'imagines, 1440p extrême, RT extrême. Et il est à 110 FPS de moyenne. Et moi, je mets jamais le ray tracing. Vous le savez très bien. Je suis pas un fanboy du ray tracing, je suis honnête avec vous. Même si je préfère Nvidia, je n'aime pas le ray tracing pour l'instant. J'estime qu'à part si tu as une 4090, honnêtement, ça vaut pas le coup. Tu vas pas gagner grand-chose en mettant le ray tracing. Tu vas surtout consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu vas faire beaucoup de chauffe dans ton PC. Bref, je conseille pas encore une fois le ray tracing à part si tu as une très 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 grosse carte graphique. Là, on est sur Harry Potter, du coup, à plus de 90 FPS de moyenne. Donc, c'est excellent. Toujours en ultra, 1440p, tu l'auras bien compris. Donc, là, on est sur Flight Simulator. Bah, c'est un énorme jeu, encore une fois. Flight Simulator, c'est le genre de jeu qui, boah, limite, il faut vraiment brider à 60 FPS. Vraiment, à 60 FPS, tu le brides. Et là, franchement, c'est nickel. Par contre, sur ce jeu-là, par exemple, oui. Je vais mettre en ultra, parce que là, oui, la beauté est très importante. C'est un jeu de simulation d'avion. Donc voilà, tu veux voir des paysages, tu veux voir des vues extraordinaires, tu veux voir la mer, les montagnes et tout, tu vois ce que je veux dire? Donc là, oui, potentiellement sur ce jeu-là, je mettrai en ultra. Mais même en ultra, en 1440p, tu t'en rends compte que tu es à 90 FPS. Alors que moi, je vais bloquer ce jeu-là à 60 FPS, honnêtement. Donc franchement c'est nickel, 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 nickel. Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre? Tiens, Elden Ring. Alors je sais qu'Elden Ring, je crois qu'il est bridé à 60, non, au maximum. Je sais plus. Mais en tout cas là, il est en 1440p. Maximum, ultra plus plus.
RT maximum aussi. Donc vraiment dinguerie quoi. Le type il s'est lâché. Alors Elden Ring, franchement, le ray tracing, je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas vous. Dites-moi vous si ça a un intérêt réellement le ray tracing sur ce. Encore sur Forza, tu peux dire bon, tu vois, le reflet sur la voiture et tout, les effets de lumière et tout sur la carrosserie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là sur Elden Ring, franchement. Franchement, comme disent les jeunes, franchement. Là, on est sur Fortnite Performance Mode 1440p, 500 FPS de moyenne. Donc, encore une fois, je vous le dis, honnêtement, je sais pas si je dois prendre une TI Super ou pas, ou juste la 70 Super m'ira parfaitement. Honnêtement, là, regardez, là, on est sur Warzone, il met les mêmes paramètres que moi, c'est-à-dire en low. Warzone, moi, je mets tout le temps en low. Je mets tout en low et les ombres, je les désactive. Ça, c'est clair et net, je les désactive. Et là, regarde, je sais pas si lui, il a désactivé les ombres. Mais bon, il est à 180 FPS de moyenne. Moi, mon écran, c'est 165. Quoi qu'il arrive, Warzone, moi, je le bloque à 165. Donc, je me dis que potentiellement, c'est pas mal. Regarde, la carte graphique, elle monte à 97%. Ça aussi, apparemment, c'est important de regarder ça. Moi, je regarde jamais ces choses-là lors de vidéos bench. Mais le pourcentage d'utilisation de la carte graphique peut indiquer quelque chose quand même. S'il y a un espèce de bottleneck ou pas, tu vois, s'il y a un espèce de bridage de ta CG dû à peut-être le processeur ou même ta CG tout simplement. En tout cas, là, on voit bien que le processeur, lui, il n'est carrément pas bridé. Il se porte super bien. Sur Warzone, Warzone qui est un énorme jeu, attention, hein. Un gros Battle Royale, hein. C'est pas comme Fortnite, hein. Warzone, pop, il faut vraiment une bonne config. Donc là, il a mis en Ultra plus extrême sur Warzone, ce que je conseille jamais. On est à, ouais, on est autour des 130, 140 FPS de moyenne, donc on est bon, on est vraiment très bon, même si encore une fois, Warzone, moi je le conseille pas du tout, en Ultra plus, tu l'auras bien compris. Valorant en Ultra Max Giga plus, voilà, best of menu, maxi best of, bref, 593 euros, j'allais dire, non, 593 FPS de moyenne, donc on est très bon sur Valorant, mais en même temps, Valorant, voilà, même une RX, je sais pas moi, 580, elle fait tourner, quoi, ou 570, bref, c'est pas le sujet. Là, on est sur Alan Wake, en Ultra plus, Giga plus, on est à 47 FPS de moyenne. C'est bien, mais moi, par exemple, sur ce jeu-là, ouais, moi, je mets pas en Ultra ce jeu-là, je le mets en élevé, et honnêtement, je pense qu'on sera autour des, ouais, 55 FPS, 60 FPS. Pourquoi pas activer le DLSS aussi en mode qualité? Honnêtement, le mode qualité du DLSS est vraiment bien. Moi, je vois pas trop de différence visuelle entre le natif et le DLSS qualité. Il y en a, j'ai pas dit qu'il y en a pas. Ouh là là, il y en a. Mais honnêtement, il passe crème. Il passe crème le DLSS qualité. Alors que moi, je suis sur une RTX 2080 Ti. C'est le DLSS 2. Et franchement, le mode qualité du DLSS passe nickel chrome. Vraiment nickel chrome. Donc ouais, sur Alan Wake 2, par exemple, on est à la limite du... Est-ce que j'active le DLSS ou pas? Alors peut-être qu'en élevé, là il a mis en ultra, peut-être qu'en élevé, en baissant les ombres, hop, t'as pas besoin d'activer le DLSS. Mais voilà, en tout cas, bon, maintenant vous savez ce que moi je pense de cette configuration-là, de ma future configuration-là. Je pense que le CPU, honnêtement, je pense que j'ai fait mon choix, ça y est. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que je serai sur AMD, ça c'est clair et net. 13e, 14e génération d'Intel. J'en veux pas du tout, mais vraiment pas du tout. La nouvelle gen des Ryzen, à part si vraiment ça baisse de ouf, mais de ouf, au même prix que les 7000, ce que je ne crois pas du tout. Donc je zappe aussi. Donc ouais, honnêtement, ça va jouer entre le 7500F, le 7600 et le 7700 en fonction des tarots, bien évidemment. Si demain, le 7600, il y a une promo de dingue lors du Black Friday, pardon, une promo de dingue, ah, je vous dis une bêtise, 140 euros, ouais, je prends le 7600, je suis honnête avec toi. Mais à date, aujourd'hui, c'est vrai que le 7700, ça peut être intéressant pour moi. Il a 8 cœurs, 16 threads. Donc non, honnêtement... Voilà, j'aime bien ce petit 7700. Je pense pas qu'il chauffe énormément. Je pense que ça ira parfaitement. Ça va rester longtemps dans ma configuration. Donc, ouais, je me dis c'est intéressant. Et même le choix de mes composants, honnêtement, ça va. Le water cooling, je le trouve très intéressant personnellement. Je le trouve très beau. Je compte pas le changer. Voilà, je compte vraiment pas le changer. À la base, j'étais parti sur un ventirad, je suis honnête avec vous. Mais actuellement, le Arctic, surtout actuellement, hein, le Arctic 36A adressable RGB. Un ventirad, bref, de chez Arctic, il coûte beaucoup trop cher, il coûte 50 euros actuellement, on est quoi, à 20 euros près de ce water cooling là, je me dis, non, autant prendre le water cooling, même si c'est vrai que je voulais changer avec un ventirad, parce qu'un ventirad, en vrai de vrai, bon, le ventilateur, il pète,
Ah, tu peux toujours le changer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc un ventilateur, c'est limite incassable, tu vois. Puis un water cooling, bon, il y a des problèmes par-ci par-là, de temps en temps, on sait jamais. Donc voilà pourquoi à la base j'étais parti sur le ventilateur, mais j'ai changé d'avis ponctuellement actuellement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Fonction des prix. Donc on verra. De toute façon, en vrai de vrai, moi je suis honnête avec vous, en vrai de vrai, le nerf de la guerre, c'est l'oseille. J'ai 1500 euros, ok. Je veux me faire plaisir avec 1500 euros. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, avec une 70 Super et une 7700 dans ton boîtier, tu peux réussir à taper les 1400 ou les 1350 ou même les 1300. Je sais qu'il y en a qui vont me sortir ça. J'ai pas envie. J'ai envie de me faire plaisir avec ma config. Certes, avec une config, bon, quand je dis config, c'est-à-dire dans les autres composants, tout ce qui est boîtier, j'ai envie de me faire plaisir sur le boîtier. J'ai envie de me faire plaisir sur le water cooling, par exemple. J'ai envie de me faire plaisir, je sais pas, moi, sur la carte mère, tu vois ce que je veux dire? Certes, sur le GPU et le CPU qui sont la base, normalement, certes, je devrais mettre le maximum, 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 et le reste, essayer de gratter au minimum, genre le boîtier, prendre un deep cool, genre le ventilateur le moins cher, t'es un malraille, tu vois, je sais qu'il y en a qui vont penser ça, mais moi, je ne veux pas, moi, je ne veux pas, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie que quand je vois mon boîtier, je me dis, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de changer. Ce qui est sûr, c'est que l'envie de changer un composant dans mon boîtier, ne vient pas de la perf. Parce que, honnêtement, à date aujourd'hui, avec ma 2080 Ti et avec mon 9700K, c'est pas à cause des performances que j'ai envie de changer de boîtier. J'ai juste envie de changer de boîtier. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que j'ai ce boîtier-là, tout simplement. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas une histoire de performance. Et en plus, je suis honnête avec vous. Et en plus, c'est limite, ça va être limite un futur cadeau d'anniversaire pour mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce boîtier que j'ai actuellement, le mien, lui, il joue sur un PC, un vieux PC à l'ancienne avec une 980. D'ailleurs, si vous voulez, si certains sont intéressés, je peux vous vendre les pièces, hein. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram, par exemple, en MP. Donc, le boîtier de mon fils actuellement, donc c'est un i7 9000, non, pas 9000, 8700K avec une RT, non, pas une RTX, une GTX, pardon, 980. Donc, voilà à peu près son... avec 16 Go de RAM en DDR4. Donc, c'est un excellent boîtier, honnêtement, en 1080p, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, si jamais ça intéresse quelqu'un, vers Noël ou on va dire début d'année 2025, je le mettrai en vente, pardon. De toute façon, je vous tiendrai au courant, ça c'est le principal. Donc oui, mon boîtier actuellement, je vais le donner à mon fils, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi pour ça que je veux changer de boîtier, je me dis, ah bon, eh, ça passe crème, tu vois ce que je veux dire? Même pour madame, même pour tout le monde, tu vois, ça passe crème, tu vois. Donc je m'achète un PC et en même temps je donne l'ancien à mon fils, tu vois, ça passe bien. Donc lui il joue en 1080p, donc honnêtement, en 1080p, le i7 9700K avec la RTX 4000, 2080 Ti, pardon, il sera très très bien. Franchement, il sera très très bien pour très longtemps. Donc c'est pour ça que aussi je veux changer de boîtier. L'offrir mon ancien boîtier à mon fils et moi m'offrir un très beau boîtier, tu vois, tout simplement. Et re, les amis, du coup, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous auriez mis pour 1500 euros, ça m'intéresse fortement. Encore une fois, c'est pas ta config. Réfléchis bien avant de me dire ce que toi, t'aurais voulu ce que je mette dans ma configuration, pardon, en fonction de mon profil de joueur. N'oublie pas qui je suis. N'oublie pas qui je suis. Je suis pas comme toi. Peut-être que toi, tu recherches que la perf. Peut-être que toi, t'es un fanboy AMD. Peut-être que toi, t'es un fanboy je sais pas quoi. Ne réfléchis pas en pensant à toi. Pense par rapport à moi, par rapport à mon profil, ce que tu me conseilles, tout simplement. Tout simplement. Donc n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Encore une fois, vous avez pu constater que quand même, malgré tout, notre config a bien évolué. Je pense en bien, honnêtement. Alors, ça n'a pas évolué non plus extraordinairement bien. Je suis honnête avec toi. Je pense qu'on a gagné surtout 1 Tera. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'on a gagné 1 Tera pour 1500 euros par rapport à l'époque d'avant. On a gagné un petit peu en perf au niveau de la CG. Un petit peu. On a gagné en termes de perf au niveau... du processeur, tout simplement. Mais à part ça, et en termes de qualité aussi, je pense, en termes de boîtier et tout, en termes de qualité, voilà, des composants que j'ai sélectionnés, on a aussi augmenté un petit peu. Je pense qu'on a dû gagner un petit 10%, ouais, un petit, je pense, ouais, 10-15%.
peut-être entre 100 €, 150 €. Je pense que la même configuration que je vous ai montré en début de vidéo, lors de l'épisode numéro 1, je pense qu'aujourd'hui, on peut la choper à 1200 €, 1300 € sur Memory PC. Je vous parle bien sur Memory PC, bien évidemment, pièces détachées, là, vraiment, c'est jackpot. C'est vrai que cette petite RX 7800 XT, franchement, actuellement, elle coûte quoi, 490 €, 495 € sur Amazon. Donc elle est très intéressante, cette petite RX 7800 XT. Et moi, je suis honnête avec vous. Vous savez très bien que c'est la chaîne de l'honnêteté. Je suis honnête avec vous. Si je pouvais faire autrement que d'utiliser Nvidia Broadcast, je vous jure que je prendrais une AMD en carte graphique, mais tous les jours. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. En termes de rasterisation, il n'y a pas photo entre AMD et Nvidia. Que les choses soient bien claires. Je ne suis pas un fanboy Nvidia. C'est juste que, actuellement, je suis bloqué. Je suis bloqué, les amis. Derrière moi, c'est ma maison. C'est ma maison. Enfin, je veux dire, c'est ma vie derrière moi. Et je peux pas vous montrer ça, c'est normal. Il y a de la dignité, il y a de la... Voilà, c'est normal, le respect. Je peux pas vous montrer ça. Je peux pas. Et je peux pas... J'ai beau chercher à m'organiser dans ma maison et tout, voir, ouais, si je mets mon bureau là, on verra un mur derrière. Si encore on voit un mur derrière, t'inquiète pas, c'est pas grave. Un mur blanc, bon, après, je mets des petites étagères. J'aimerais bien, je te jure que j'aimerais bien mettre des petites étagères, gaming et tout, blablabla, des petits goodies et tout. Tu vois, comme tout le monde, comme tout le monde, comme tout le monde. J'aimerais bien, mais malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai beau chercher, je vais continuer à chercher. Tous les week-ends, je cherche. Je me dis, tiens, vas-y, si je mets mon lit là, si je mets mon bureau là, ou sinon je le mets dans le salon, mais dans le salon, il y a les gosses, il y a madame et tout, je peux pas les dégager pendant que je fais une vidéo. C'est normal, c'est pas que chez moi. C'est la maison de ma famille, de madame, de mes enfants. Donc je peux pas me permettre de dire, ouais, allez hop, dégagez tout le monde, là, je fais ma vidéo. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il y a qu'un seul endroit où je peux fermer la porte, entre guillemets, être totalement, j'ai envie de te dire, solo, c'est que ma chambre. Il n'y a que là où je peux dire, hey, allez, sortez de là et allez ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que ma chambre. Ma chambre, c'est ma chambre. Mais même ma chambre, je peux pas vous la montrer. C'est le lit de madame. C'est, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un peu de respect, un peu de dignité à avoir. Donc, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. J'ai beau chercher. Tiens, je mets mon lit là, je fais ça. Je n'arrive pas. Ça me prend la tête. Ça me bouffe, ça me prend la tête. Et tant que je n'arrive pas à trouver le moyen de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire vous montrer un beau petit setup derrière, et ben, je suis obligé d'utiliser Nvidia Broadcast. Je suis bloqué. Donc voilà. Et tu vas me dire, ou sinon, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, bah écoute, Karim, prends une carte graphique AMD et achète-toi un fond vert. Et puis voilà, et tu seras tranquille. Ouais, mais attends, le fond vert, il va coûter combien? Le fond vert, il va coûter combien? Il va coûter extrêmement cher, le fond vert. Extrêmement cher. Donc le fond vert, voilà quoi, si j'achète par exemple une RX 7900 GRE avec un fond vert, eh ben là j'aurai 150 € à débourser en plus, tu vois ce que je veux dire? Donc honnêtement, le fond vert, non. Non, soit je vous montre l'arrière de mon siège et du coup bah je me mets derrière un mur, enfin en face d'un mur et pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire ou pas, et vous montrer un petit peu une sorte de gaming room ou une espèce de petit setup, tu vois, perso. Là oui, ou sinon Nvidia Broadcast et voilà. C'est ça en fait, c'est ça, j'ai pas trop le choix. J'ai vraiment pas trop le choix. J'ai beau me torturer l'esprit, j'ai pas trop le choix. Vraiment, vraiment. Mais bon, moi après, en vrai de vrai, je suis honnête avec vous, elle a 4070, super. J'aime beaucoup Nvidia, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que c'est vrai qu'au début, rappelez-vous, lors de mes premières vidéos, je vous disais que ouais, j'aimerais bien changer, partir sur du full AMD et tout. Malheureusement, pour l'instant, ça n'est pas possible. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de ma future config. N'hésitez pas, vous, à me donner des conseils dans les commentaires, encore une fois. N'hésite pas aussi à mettre ton plus beau des pouces bleus. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est la récompense. Pareil pour l'abonnement, n'hésitez pas à vous abonner. La cloche des notifications, encore une fois, le commentaire, ça, je te l'ai déjà dit. Tous les liens, comme d'habitude, en description. Prenez soin de vous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, bon plan de la semaine. Prenez soin de vous, la suite, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.